Est-ce que vous avez trouvé une sorte de petit ours violet ? Ça me dit rien, mais je vais regarder ça. Le petit nounours violet ? Ouais, je pense, ouais. Venez avec moi, madame. Ça doit être dans ce petit bac. Si ça y est pas, je vois pas où il peut être. Tu veux regarder, mon chéri ? Oui. Oh, c'est lui ! Voilà, oui, je l'ai retrouvé ! Oh non. Bon, c'est bon, maintenant on rentre, tu viens ? Oui. Bah du coup, ils l'ont retrouvé ou ils l'ont pas retrouvé ? Parce que moi, si je sais pas, je note pas, hein. Non, mais c'est bon, ils l'ont. Ah, ok. Bon, sinon, qu'est-ce que vous avez, là ? Bah ici, il y a plus des petites bricoles de nana, du genre maquillage, tout ça, tout ça. Ah, ok. Et dans ce sac-là ? Mais, Chris, y a rien dans ce sac-là. Non, mais c'est normal, c'est parce que lui, c'est un sac perdu. Bah, y a pas que des trucs pour nana, hein. Comment elle a eu ce sac ? De la vaisselle ? Des trucs pour nana ? Et là, je trouve de la vaisselle. Qu'est-ce qui se passe, Isabelle ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Chris, tu oses penser que la vaisselle, c'est pour les femmes ? Je suis extrêmement choquée. C'est des stéréotypes, tout ça. Tu m'énerves, Chris. Je suis choquée. Je démissionne. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Laisse tomber. Maintenant, le truc, c'est qu'on va devoir tout ranger tout seul. Ouais, bon, par contre, là, j'aimerais bien qu'on m'explique comment les gens peuvent perdre leur vaisselle. Hein. Bon, les filles, où est-ce que je mets ça, là ? Tu peux le mettre ici, de toute façon, ça a pas de place spéciale. Mais si, le truc, là, le truc portable, là, ça va dans les trucs électriques. Et c'est où, les trucs électriques ? Bah, c'est là ! Mais oui, mais regarde ! Ici. Ouais, bah alors, pourquoi il y a un sac dans les trucs électriques ? Il y a un sac, mais il n'y a pas de... Oh ! Bonjour. Oui, bonjour. C'est de toute urgence. Demain, j'ai un spectacle. Mais le problème, c'est qu'il manque le haut de mon déguisement. Et vous pensez que nous l'avons parce que vous l'avez perdu ? Bah oui, c'est ça. Mais comment vous le savez, d'ailleurs ? Bah, nous sommes vous étiez à l'assaut, là. Ah oui, c'est ça, oui. Mais le truc, c'est qu'en fait, il faut absolument mon déguisement. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le retrouver vite ? Parce que si je l'ai pas, moi, ça va être la cata. Je vais pas avoir d'argent parce que je vais pas pouvoir faire. Mais c'est pas grave, de toute façon, rien n'est trié. Alors, on me laisse tomber. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les clients ? Et du coup, j'aurais ma femme et mes enfants. Et j'aurais plus de travail. Et ce serait horrible. Et j'aurais plus d'argent. Et je vais mourir. Nala, je te signale qu'on vient de perdre quelqu'un. Un membre de l'association, tout simplement. Parce que monsieur crie. Quoi ? Mais j'ai rien fait, moi. A fait des stéréotypes sur les femmes, ou je sais pas quoi. Mais comment je vais faire ? Je vais finir dans la rue, sous un carton. Non ! Bon, bah, tu sais quoi ? Eh ben, on laisse tomber. Non, je veux pas ça, s'il vous plaît. Il faut absolument que vous le retrouviez. Monsieur, calmez-vous. On va le retrouver. Bon, dites-moi simplement à quoi ça ressemble. Alors, bah, du coup, je pense que ce sera dans la catégorie des chapeaux, puisque ça se met sur la tête. Et ça, en fait, c'est le haut de la banane. De mon corps, là. Enfin, le truc du déguisement. Enfin, vous voyez, quoi. C'est connu, quand même. Ok, bon, suivez-moi. Je pense avoir trouvé... Voilà, donc ici, c'est tous les accessoires de tête, les chapeaux, tout ça, et... D'accord. Bon, allez, salut. C'est lui ! Mon magnifique chapeau majestueux. Je t'ai retrouvé. C'est toi. Non, mais Nala ! C'est bon, je suis prête pour mon spectacle. Merci, monsieur. Oh, calmez-vous, là. Ok, bah merci, salut, hein. Bon, bah ça, c'est fait, hein. Non mais sinon, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Parce que le truc avec Isabelle, on dit que c'est de ma faute, mais moi... Nala, tu vas où ? C'est l'heure de ma pause, alors s'il te plaît, laisse-moi faire ce que je veux un peu. Non, ça va pas du tout, là. Bon, les amis, je vous ai demandé aujourd'hui de vous rassembler ici même pour casser ma pause déjeuner. Nala... Quoi ? J'essaye des trucs ? Bref, les amis, nous manquons de personnel. On n'avait pas remarqué. Quoi ?
Quoi? Mais... Mec, si tu nous as convoqués juste pour nous dire ça, ça va pas le faire. De toute façon, on manque de n'importe quoi. Alors moi, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas d'accord, j'en ai marre. Il faudrait faire quelque chose. Je sais pas, il faut beaucoup plus de gens là pour tenir une association comme ça. On devrait genre mettre des affiches. Des affiches? Mais oui, très bonne idée. Bon bah, c'est parti, on va faire ça alors. Quoi? Eh, c'est peut-être une bonne idée pour un petit job. Ok, c'est bon, tu peux y aller. D'accord, merci. C'est par là qu'on doit aller ? Oui. Ok. C'est bon, merci beaucoup. Ouf, je crois que c'était le dernier. Hein ? Hein ? Eh, recoucou, bah tu sais quoi, mon spectacle, il a pas marché. Du coup, bah, je suis obligée de travailler ailleurs, donc bah, j'ai pris celui-là pour gagner un petit peu ma vie, genre quelques sous. Ouais, sauf que ici on est bénévole. Hein. Ah bah ouais, super, ça m'arrange encore plus. Bon bah, du coup, tu me connais, tout ça, alors bon bah, pas besoin de m'inscrire, hein, salut. Oh non. Voilà, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, je pense que cette vidéo, c'est peut-être une façon de vous remercier pour les 110 abonnés, c'est vraiment un truc de fou. Je suis désolée si j'avais la voix cassée dans cette vidéo, oui, je suis un petit peu malade. Bon, les amis, je dois vous dire quelque chose. En fait, j'ai pas d'idée de vidéo pour les 100 abonnés. J'avais une idée, mais bah, c'était pas super parce que c'était pour Noël, tout ça, j'avais pas encore ma caméra. Et alors, je pense que je vais sans doute faire une FAQ pour les 100 abonnés, je ne suis pas sûre du tout, mais dites-moi dans les commentaires si cette idée vous plaît. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'en 2019, hein. J'espère que ça continuera et je sais que l'aventure est très loin d'être terminée. Isabelle, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, bonjour, je voudrais m'inscrire, c'est bien ici l'asso. Oui, mais Isabelle, c'est toi? Mais attendez, comment ça se fait que vous connaissez mon prénom? Bah, je suis Isabelle Lebelzel, alors s'il vous plaît, si vous pouviez m'inscrire en tant que bénévole, j'aimerais travailler ici. Oui, pas de problème. Ah, merci beaucoup, c'était mon rêve de travailler ici, oui!